Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à Sepel Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque fois que je commence cette émission et que je me mets devant vous, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de ressentir les choses et surtout notre manière à nous de les partager. Je suis de la race de ceux qui assument tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. Et je n'ai pas pour ambition d'échanger. Je suis un homme. Il m'arrive parfois de taper à côté parce que l'erreur est humaine. Et quand il faut, je reconnais les erreurs. Mais reconnaître ces erreurs, c'est aussi une manière d'assumer ce qu'on est et c'est ce qu'on fait. Donc, moi, je suis comme ça. Ici, ce que j'ai dit n'est qu'un reflet de ma pensée. Quelqu'un m'a appelé pour me dire... Mais écoutez, je regardais, tu n'as pas donné des informations, tu as donné ceci. J'ai dit, le Décrit Info, ce n'est pas un magazine d'informations. C'est un magazine d'opinion. L'opinion peut aussi faire l'objet d'un papier en journalisme. C'est ce qu'on appelle éditorial. Donc ici, je prends les informations, je donne les informations... Et surtout, au-delà de vous dire, voilà les informations, la dose la plus importante est ce que moi, je pense de ces informations-là. Je donne un point de vue. Il y a ceci dans l'Est de la République. Il y a des combats, par exemple, autour des saqués. Kibumba venait d'être pris, par exemple, par les M23. L'information, elle est seule là. Kibumba a été pris par les M23. Je vous donne cette information. Mais dans le cadre des décrits, cette information ne s'arrête pas à l'information parce que ce n'est pas un magazine d'information où nous venons relayer les informations. Au-delà de cette information, je viens asseoir mon point de vue, mon opinion sur cette information. Kibumba est tombé à cause d'un problème de gouvernance de nos autorités. C'est parce que nous n'avons pas des autorités responsables qui, en 4 ans depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ont mis la question de la réforme de notre armée dans leur agenda. Kibumba est tombé parce que nous avons des incompétents qui, depuis qu'ils sont au pouvoir depuis 4 ans, ils sont allés signer des accords alambiqués que eux-mêmes ne maîtrisaient pas et ne comprenaient pas avec le Rwanda et ils sont dans l'impossibilité d'honorer les engagements qu'ils ont pris. Voilà ce qui suscite la guerre. Là, nous ne sommes plus dans l'information, nous sommes dans le point de vue d'interprétation. Donc, moi, j'interprète l'information à ma manière. C'est-à-dire que je donne un avis. Et le Décrit Info est un magazine d'opinion. Ici, je viens vraiment relayer mes opinions. Mais je suis assez lucide, très lucide d'ailleurs, pour ne pas vous imposer mon opinion. Je le dis toujours et je le répète, je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas. Vous, mes détracteurs, pourquoi vous ne comprenez pas ce que j'ai dit ici? Ce que j'ai dit ici m'engage, moi, Claude Perrault-Louara. Et moi-même, je répète ça. Mais bonjour au fin, je ne comprends pas. C'est le reflet de mon point de vue. Et je ne vous impose pas mon point de vue. Parce que je ne peux pas, moi, décréter une sorte d'unanimité autour d'un point de vue. C'est idiot que de penser à des choses comme ça. Pour aller un peu plus loin, quand j'ai dit ces choses, je vous dis toujours que pour moi,
Être un dictateur est tout simplement l'expression la plus éloquente de l'idiotie. Parce que dès la conception même, après le contact entre le papa et la maman, il y a des gens qui ont commencé à vous contester alors que vous n'étiez que des spermatozoïdes déjà à l'époque. Il y en a eu beaucoup qui vous ont contesté le droit de féconder l'œuf, le droit d'aller féconder votre maman. Et vous avez fait preuve d'un grand courage en courant plus vite que les autres et en allant mordre justement l'œuf de la maman. Et de là, le processus de la conception a commencé jusqu'à ce que vous avez grandi dans le ventre et vous êtes né. Si déjà à ce moment-là, il y a des gens qui ne voyaient pas les choses comme vous, alors que vous n'étiez même pas encore conçu. Si déjà à ce niveau-là, il y a des gens qui vous contestaient même les droits d'être conçus. Mais comment vous pouvez venir aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous êtes journaliste, vous ne voulez pas qu'il y ait des gens qui voient des choses différemment de vous. C'est être tout simplement idiot. C'est être tout simplement idiot. Donc ne tergiversons pas, n'éparpillons pas nos énergies pour des questions que l'on peut régler en une seconde. Donc je prends soin de déblayer le terrain en parlant de ces choses tous les jours pour que nous ayons moins d'accrochages. Mais j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas Bino Batoyago traîner. Parfois vous insultez dans mon propre chat. Parfois, attendez, bon, libre à vous. Donc ici, je ne vous impose rien. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. C'est ça. Si je dis que la montre que je porte ici, que vous pouvez d'ailleurs retrouver chez notre ami Judith Londole Betoko, Betokoli, le Molat ici, Kitoko, Bilamba, Kitoko, je vais parler d'elle. Tout ce qui concerne l'habillement, homme, bah, montre, bah, câble, bah, t-shirt, bah, ça vous pouvez retrouver chez Judith Londolé. J'ai pris ça dans sa boutique. Elle habille les hommes, tout ça. Donc, si moi je dis que cette montre, elle est noire, vous avez les droits, si vous pensez qu'elle n'est pas noire, de dire qu'elle n'est pas noire. Ceci ne peut pas nous amener à nous tirailler, à nous rentrer dedans pour des simples bêtises, pour des choses qui n'ont pas d'importance. Donc, rassurez-vous, soyez à l'aise. Maintenez votre point de vue, maintenez votre position. C'est aussi ça la beauté de la démocratie. On parle de démocratie parce qu'il y a divergence de vues, il y a divergence d'opinions. Il n'y a pas alignement d'ailleurs derrière une sorte de pensée unique, mais il y a plutôt contradiction, il y a plutôt divergence des vues. On peut diverger tout en restant unis. Nous sommes nous tous peuple d'un pays et nous pensons que nous devons conserver ce qui nous est le plus cher, ce qui nous est le plus important. C'est la mère patrie, la République démocratique du Congo. Mokaya Banka, Mokaya Bakoko. Et l'Ouya Maël et l'Eki, Nyon Sotou, Yangoana. Donc, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à vous tous. Bouye Imalamou, vraiment. Zamba Batelabino, Nasepedi Sotokoutani Lelo, Lelo Toza mercredi, Tokoutanagi lundi, Tokoutanagi mardi. Seulement parce que j'étais aussi occupé à autre chose. Naloba Anabino, Likambo, Mikolonion Sotou. Pour tenir la rigueur, parce que dans la condition de ça à Mosala, dans la condition de vivre, biso mo konde toko beta moto. Ngai na yina kongwa na patron, na nenge na ngai, na yina batuna nga ba sunganga na Mosala, so na koti mwane so tu ba telemi. On m'appelait président, depuis de l'époque on m'appelait président parce que j'étais président de la délégation syndicale des Digital Congo à 100 ans. Alors qu'on va président en Elanda, il y a eu son accotimbo. Président, bonjour, bonjour, c'est moi le fond. Après, tu appelles les gens, est-ce qu'ils étaient prêts? Est-ce que vous avez fait ce qui était convenu? Est-ce que, ok, paf, le président rentre sur le plateau, tout le monde allume les caméras, tout le monde tremble, le président est là, tu commences à parler. Mais ah ouais, il y a l'ikemba. Oh, président, Zaté, yo bounane. Bunda, Luca et Loga Kangelo, heureusement que j'ai une bonne équipe, j'ai des gens qui m'aident aussi dans ce sens-là. Donc, de temps en temps, Narosengara a toujours indulgence Nabino. Ce qui est bon, il a été. Peut-être que, dans le cadre, il y en a beaucoup qui m'appellent, qui me soutiennent. Vraiment, la main sur le cœur. Je voudrais vous dire merci.
bato belé bosé belé bandeko belé babé ngangai bandeko belé basouté ngangai bandeko belé même dans ma maloba na bango même dans ma prière na bise binom comme sous na fanda bo téléphone ngé sonné na moni maman mora benga maman mo mkolo je crois que c'était à Paris ou en Belgique je me rappelle plus abandelo babi mo ngangai musalo osa po na mboka na al kambo lobaté na ko sambe na po na yo na bi maman sambe la bitoka ngamiso abandi ko sambe la bandeko mais non j'ai des larmes aux yeux. J'ai rarement vu quelqu'un prier autant avec son cœur. À 8 ans, on a tala raona ka muté banangé betarana lo banzambe batela mwana yo. Nzambe batela mwana. Nzambe na ngawani ko sambela makila Yesu batela yo, o samusa makasi, batu ba luka babundiso. Ça m'avait fait énormément de bien, ça m'avait vraiment touché. Je me suis dit ah. Monsieur, fais attention à toi, il y a des gens qui croient en toi, il y a des gens qui te suivent. Voilà, c'est compliqué. Et puis je vous dis toujours que j'ai peur. Il y en a qui m'appellent tout le temps pour dire oh, ça, les herbes, ça l'a raté. Mais j'étais quand même surpris d'apprendre que les herbes est en train de prêcher aujourd'hui pour un glissement. Il parle d'un glissement. Bon, les herbes, ça l'a raté. Mais quand j'entends ce genre d'expression, je me rends compte que. Du poids de la responsabilité qui pèse quand même sur les épaules. Bandeko, moi j'ai un problème personnel avec Félix Tshisekedi. Vous ne comprenez pas comment je souffre. Je vais vous dire vraiment la vérité. Vous ne comprenez pas comment je souffre de voir ce monsieur perdu et en train de faire perdre la République. Je souffre de ça. J'ai l'impression que on a tout fait pour que qu'ils lisent ne fût-ce qu'est-ce que nous disons. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'avais, les espoirs que nous avons placés en ce monsieur. Nous avons dit que dans ce pays-là, pour la première fois, nous avons eu une sorte d'alternance. Sur Tshisekedi, je voyais son père, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je vous dis toujours, moi je suis du Kassai. Ma mère a beaucoup œuvré au sein de l'UDPS. J'ai perdu mon père, j'avais 7 ou 8 ans. J'ai grandi avec ma mère. J'ai l'accompagné dans ma réunion à UDPS, à Banane. Donc, j'ai vécu l'UDPS, le culte, d'une certaine manière, voué à Etienne Tshisekedi Wamulumba dans ma propre famille. Mes oncles, l'UDPS, yo, Lubani. Jeune, j'ai baigné dans ça. J'ai suivi la conférence nationale souveraine, j'étais encore enfant. J'ai suivi l'épopée de Tshisekedi en train de faire la marche pour aller à la primature, encore jeune, encore jeune. Moi, je rêvais. Rappelez-vous que Tshisekedi Etienne Azaki a su pouvoir aller le lobby Dollar Equity. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'a tellement idéalisé. Vrai ou faux? Est-ce que c'était une erreur? Bon, c'est aussi le regard de la jeunesse, comme j'ai trouvé ça à la maison. Donc, nous avons cru que Tshisekedi, c'était... Bon, aujourd'hui, peut-être que je grandis, que je comprends les choses, peut-être que c'était aussi trop, cette croyance-là en Tshisekedi. Au point où, quand le fils Tshisekedi a pris le pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi, tout cet amour, cet espoir que nous avons placé au père, nous l'avons transféré à Tshisekedi Félix. Nous l'avons transféré. Au point de fermer les yeux sur cette tricherie, de les justifier. Parce que tous on savait que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections, Félix. Tous on le savait. À un moment donné, nous nous sommes dit, bon, il est déjà là. C'est quand même le fils d'Étienne. Nous avons cru en lui. Vous ne savez pas comment... Ce garçon, ce monsieur a déchiré le cœur des gens. Je ne comprends pas. C'est terrible. Et la preuve, moi j'assume, c'est comme ça que dès le départ je vous ai dit que j'assume tout ce que j'ai dit. Vous pouvez revoir mes anciennes vidéos. Vous pouvez revoir mes anciennes images. J'avais transformé mon plateau en un plateau de soutien total à Tshisekedi. J'ai même soutenu le hold-up. Lorsque Tshisekedi est allé arracher la majorité à Kabila, je l'ai soutenu. J'ai soutenu ce vol-là. J'ai fermé les yeux sur la tricherie électorale.
Parce qu'on avait placé l'espoir sur ce monsieur. Tshisekedi a brisé le cœur des gens. Tshisekedi a déçu les gens. On n'en parle pas par plaisir parce qu'aujourd'hui on vous dit, ah Perrault, tu t'acharnes sur lui. On a l'impression. Moi quand j'entends ça, je me dis, mais quelle incohérence, quelle irresponsabilité que de dire des choses comme ça. J'ai lu quelqu'un me dire, dès lors que nous avons un problème, réglons d'abord le problème que nous avons. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est comme un serpent à côté de Katandako. Tshisekedi, Félix, c'est comme un serpent à côté de Katandako. Dès lors que nous avons un problème, Félix est un problème. Comment on peut se concentrer à autre chose? Nyoka yeyo, Félix a nyoka. Azoko soabi, azoko soamboka. Comment on peut ne pas d'abord se concentrer sur ce sérieux problème qui est Félix Tshisekedi? Et on va aller regarder la télévision en laissant le serpent Tshisekedi Félix à la maison. Félix est comme un enfant, un immature, irresponsable. À côté de la cuisine, à Zumbeli, le pouvoir entre les mains de Félix Tshisekedi, je l'ai toujours dit. Et ça, le roi Meli n'a pas beaucoup à moi dans mon pied. Moi, n'a si mi Meli, à zo sakananango, à sali boy, à zo kisi moutou, ya se ki, ke, ke, ke. Il faut s'organiser pour arracher le couteau entre les mains de cet enfant. C'est l'image du pouvoir de Tshisekedi. Il ne comprend pas qu'entre ses mains, il a l'avenir et le devenir de tout un peuple. Comment vous pouvez considérer ceci comme un acharnement dès lors que nous sommes en face de nous? Nous avons un immature qui ne comprend pas le rôle qu'il doit incarner, qu'il doit jouer. Il a fait pareil quand Kabila était président de la République. Personne ne lui a dit qu'il s'était acharné. Son père a fait pareil avec Mobutu. Personne n'a dit à son père qu'il s'acharne. Ils ont fait ça avec Laurent Désiré Kabila. On ne leur a pas dit qu'il s'acharnait. Félix est un problème. Le Congo, c'est 100 millions de personnes. Et la vie et le devenir et l'avenir de ces 100 millions de personnes est en danger à cause de l'irresponsabilité de Félix. Nous devons faire être focus sur lui, lui arracher le couteau. Parce qu'il ne comprend pas que le couteau qu'il a entre les mains est une arme qui peut faire mal. Il faut le lui arracher. Et ça, le roi Mbanda Mandaye Koulouba. Félix Tshisekedi, il faut qu'on considère le rôle à moine. Bozan Andaku. Ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce que l'intérêt que lui détient, la chose qui est entre ses mains, regroupe l'intérêt de tout le monde. Il faut les lui arracher et mettre cette chose à l'abri. Pour son bien et pour notre bien, à nous tous. Bobotolie Mukanda Lopango, ce Fobo Kamole Matoi, Bo Kamole, Bo Gogole, Bobi, comme Kosakana Soute. Au moins vous lui avez arraché parce que ce qui a Bungisi Mukanda Lopango, ce qui a que Kopé Sangona Batamite Mamabe, ce qui a Teki Ango, famille Mobimba Toro se retrouve Libanda, Tata Ali Tete Rosukaap. C'est l'image de ce que est Félix Tshisekedi. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de l'acharnement. C'est la déception, la désillusion. Biso to zarote mana ba plateau ba télévision na. Ba to ba ko loba ka ba loba loba ba zarate. Botuna ba len bolojo botuna ba masa na pio sur Romain Roland. Botuna bango. Botuna ba taba FCC ba Aristote Ngari mewana ba Ferdinand Kambere secrétaire SPA a PPRD combien de fois tokuta ba ba plateau ba télévision ba débat ba zo ya ko défendre kala ba ngobi so to bunde la Félix Tshisekedi to te. C'est parce qu'on croyait en lui. Mais je suis honnête avec moi-même. Je suis conséquent avec moi-même. J'ai senti que c'était une erreur que de soutenir ces messieurs qui n'avaient aucune intelligence, qui n'avaient aucune vision. Nous avons été bernés par... D'ailleurs, quand il a été élu,
il n'a pas été élu parce qu'il s'appelle Félix Tshisekedi. Même les 15% qu'il a reçus parce qu'il était troisième. Les rares personnes qui ont apposé, qui ont plutôt voté pour Tshisekedi, n'ont pas voté pour Félix. C'est l'image de l'UDPS, l'image de son père. Mais il nous a tous bernés, il nous a tous déçus. Après, nous avons compris que lui n'était pas comme son père. C'est comme ça que Nabenga ke moi nali baby, moi nali bunga. Félix a moi nali baby, a moi nali bunga. Natchiluba na lobara, ntamba wakalela dibata. Donc, yé Félix, Etienne aza lion, mais Félix a libata. Aza na nature ya tata na yete. A na nature ya tata na yete. Lisez la lettre des 13 parlementaires, les recommandations, les réclamations qui étaient contenues dans cette lettre-là. Vous allez vous rendre compte que Félix a fait l'opposé de ce que la lettre des 13 parlementaires réclamait. Lisez le combat de son père, les actions qu'à un moment donné, la vision. C'est-à-dire qu'il n'est pas le fils de Tshisekedi. Et d'ailleurs, Tshisekedi le connaissait mieux que tout le monde. C'est comme ça que vous allez voir, poser la question à toutes les personnes qui sont autour de Tshisekedi. Même quand ils sont allés à la Senko et que Félix Tshisekedi et sa mère prêchaient pour que Félix soit premier ministre dans cette affaire de l'accord de la Senko, Etienne Tshisekedi avait refusé. C'est Valentin Moubaké qui était le choix d'Etienne Tshisekedi à Moulumba. Ce n'était pas Félix. Etienne Tshisekedi ne manquait pas de l'argent. Etienne Tshisekedi ne manquait pas de moyens. Ancien premier ministre, ancien ambassadeur, ancien PDG. La preuve que Tshisekedi n'est pas son fils, Tshisekedi n'a pas un parcours scolaire élogieux à Tanguité. Comment moi, Etienne Tshisekedi Wamulumba, docteur, ce qui premier docteur Neva Lubarawana, un juriste de cette trompe-là, pouvait avoir un garçon qui suivait ses pas, mais qui n'avait aucun diplôme, même pas un diplôme d'État. C'est la preuve qu'il avait déjà les sangs qui m'ont allé bébé na Katinaye. Mais on était seulement distrait. Nous avons cru que puisqu'il s'appelait Tshisekedi, il serait peut-être comme son père. La preuve, elle est là, Tomiko Saki. Tomiko Saki, c'est une évidence. Ake Napoto, Asalelo, Ote Napoto. Il passait son temps dans des cafés. Azo Sala Makambu Yabangulu. Batu Oyo Bana Posa Yakozo Mikanda. Ozo Komona. Bazaï Nekuri Nabango Bafandaga Batu Bana Posa Mikanda. Bah il y a ça les rabats, carte à UDPS comme c'est le fils de Tshisekedi, bas on a mongo, bas toi on a qui n'a roubou à la combat à UDPS, c'était ça. Et il lui-même il vous dit qu'à Salamou Salaté à Ebi le côté, avant de coller la mongo à Simamo Sinaï. Voyez un peu. Donc, nous on était un peu seulement naïfs, on était un seulement distrait. Mais bah tu bah yeba qui bango le roi bah Alain Bolodjo, ça je l'ai dit toujours, je n'oublierai jamais ça. Bolodjo me disait après bah débat toi non ça année à la télévision, il me disait mon coloro yeba yé ou comprendre. Mais les autres, il y a des gens qui ont été. Ils ont s'acharné sur Yété. Ils ont été en train de se faire. Ils ont conseillé que Asimbi Mikanda a l'opango na maboko na ye. Abimi na Mikanda a l'opango alors que Moto na ye kosa malamute. C'est ça l'image de Félix. Moto ya moi na moko bozarane na ndako. Moto ne échauffaka. Abimi na mikanda lo pango bino bofana na lupango wana boko luka bo luke na coin o bo luke na coin o bo bo tole mikanda lo pango ezate ke bo yini ete eloko simbi na maboko ezo déterminé à venir na biso azana mbeli na maboko to bo tole mbeli soki ta zozo ki sabato yepone za ba blague azo mona lo ka blague pouvoir ya ba blague ya ba montre ya ba chaussures ya ba avion. Bah il la caille à matarab avion à kindarani au tambolani au tambolawan. How comprendre que y a mélie et gozo qui sabato. Donc il faut tout botoler yango. Tout botoler non pas parce que tu inié té. Parce qu'il y a osara na venir na biso. Donc c'est exactement ça. C'est comme ça que dès le départ je vous ai dit ngana suma mamno sina loba. Na mona bon bala mukai mikomi balé misa toi. Bah kiz basu ba image danga kala là où je bolimisa. Là où je l'ai soutenu, là où je parlais en bien de lui, bazo oh, awa pero ya malonga, awa pero liembonga katumbi, awa pero malonga, awa pero liembonga katumbi. Laisse pas bon perdre de temps. Les vidéos comme ça, moi-même, y a on a eu Sabino, j'en ai des centaines où je parle en bien de Félix. C'est parce que j'ai cru en lui. Et je ne suis pas le seul. T'osais belé bateau, tu croyais qu'il y a Félix et puis tu te rendre compte que tu as fait erreur. C'est belé. Natou Narabango.
yangombongo ngo katumbia pesa ngai ngai na fanda gana na tout na bon non na fanda tena sa l'émission luba mambo katumbia kumsa katumbia. J'ai pas le temps d'entrer dans ces faux petits débats. Oh katumbia pesa kai mbongo katumbia sa kebo. Poser la question à Félix Tshisekedi, poser la question à Sakou. À l'époque où moi je croyais en Félix Tshisekedi, où je parlais en bien de Tshisekedi parce que je croyais en lui, Tshisekedi me donnait combien? Boutounaï, y avait-il une liste dans un coin où j'allais, je prenais l'argent? Combien on me donnait? Qui me payait? Qui me payait pour que les lots... Donc c'est un faux débat, c'est un faux fuyant. Donc c'est vraiment un faux débat. Je l'ai dit et je le répète, le Congo a des problèmes. Et aujourd'hui, notre problème majeur s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soit au Lingimbo Kanabiso, d'une manière ou d'une autre, il faut au Lingimbo la Félix Tshisekedi. Parce que Félix a un problème majeur, problème la biso lelo, comme on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand on a CP, il y a un abino. Il y a un abino. Et là, Liboso, je voulais vraiment que Abino vous abonne massivement à la chaîne Abiso CPL Télévision. Nathalie, avant la quota, on a 2100 personnes. Merci, la main sur le cœur. Abonnez-vous massivement, alors très très massivement. Vous pouvez vous abonner, pour vous abonner à la chaîne CPL Télévision. C'est aussi une manière Bino, vous allez témoigner amour à Bino et pas à Abiso. Pena musala makasi to aliko sala et loko mibale s'il vous plaît bo aimer vidéo na comprendre été bo ta la télévision bo boza 1700 personnes 2500 boza en direct monta la ba like na ba partager ça ba sans. Non, partagez cette vidéo s'il vous plaît, aimez la vidéo, ça nous met à l'abri et zo épargner biso na ba makamba ma be ya mbilinga mbilinga o banguna ba olinga ba sala contre biso et loko misa tout Masanabiso Judith Londole Betoko. Betoko lilo molate siki toko bilamba ki toko yemoko ki toko. Judith Londole a lati sakana bisa bino montre na lati zaï même câble OP. J'ai pris ces Judith aux amours à mobali. Olngola tamalamu veste, chaussures, cravate, chemise, cinglés, sous-vêtements, na ba sous-vêtements mibali, ba chaussettes bani. Ba montre bota la kutu collectionner ya mikolo yango. S'il vous plaît, appelez Judith Londole Betoko. Vous avez vraiment Judith Londole, ta veste, ba maya sikaza na ngo yango wana. Vous avez beaucoup commandé ba veste na bino, ba chaussure. Arrivage à sikaza Judith aza na ngo yango wana. Donc ça nous fera énormément plaisir et ça nous fera énormément de bien. Si vous commandez biloro na bino pas Judith Londole Betoko, quelle que soit la partie du monde où vous êtes, elle se fera le réel plaisir de vous envoyer. Neb Sabino, toujours, moi je reçois des appels des gens de partout dans le monde. Oyo, Bazore Bloga Judith Londole Betoko. Bengaye Kaka, Bengaye via WhatsApp. Numéro Neb Otale, on a publicité. Tu peux l'appeler plus 33 62 60 70 772. Nalo Bangé, Nabso, Nanabso, Nanabso, Yaba Belge. Plus 33 62 60 70 772. Numéro Judith Amwala. Plus 33 62 60 70 772. S'il vous plaît, Bobé Ngaïro, ça abisso bien. Je voulais aussi, avant vraiment d'entrer en profondeur, on appelle ça mouton, abisso mon beauté, Saint-Patrick Ponce, yo peux foyer la publicité, non. Alors, na mouno komeli Ngaïro, non, il faut ya. Saint-Patrick Ponce, ali opérateur économique, azana l'entreprise Naé, yaba, espèce à ba visa, donc ce mouno sa visa, aussi migré par exemple au Canada et tout partout ailleurs, mais il a aussi beaucoup de chambres froides à Kinshasa. Donc Saint-Patrick Ponce Mayele, moi na ya vie Nabiso, héros Nabiso, Dona Mayele, le général Mayele. Saint-Patrick Ponce, salut à toi. J'attends aussi ton spot publicitaire ici. Héros Nabiso, vrai bien. Bande konaye le loto solo la masolo mi balé mi sato. J'espère que Ngonga ou Toali Nango et qu'on permettre bien surtout si ça makambo maewa soit na ou na tchile lona programme. Togo lobe la makambo Italie guerrier na Congo avec délégation, une très grande délégation à Nations Unies ou Yaki, ba gifle biso li suso. Togo lobe la makambo Italie élection na assisté na déclaration moko ya buzoba ou ba bengi buzoba
il y a commission électorale nationale indépendante et pas il y a vice-président Ango Didier Manara nakolobela yango nakolobela et puis les sousu makambo etali ba négociation on de kofisa ko lukaka na gauche na droite donc moi makambo bele to na ngolelo to komata to kokita et ali kaka makanisi nanga na zolinga na pesa na bandeli sousu et ali makanisi ya Claude Perrault Louara na zolinga na pesa mais avant to bandalelo j'ai vu une image de quelqu'un qui a construit une église au fin fond de la province de Bandundu vers Idiofa là-bas. C'est un coin que je connais un peu parce que je suis passé 2-3 fois là-bas. J'ai quand même été ébloui parce que je savais que ce coin de la République, les chrétiens catholiques, bah, n'ont pas de problème. Ce moutassel est le ramala, moutobé télé, ma boko ton dimae, et elle est au bémina kunjalanjoku. Botan anon inauguration église wana. Et puis, tu as raison, tu as dit que tu as construit l'église bien pour la bande catholique. Bande de régime, on peut s'appeler l'image de Johanna et puis on va continuer après. Ici, nous ne sommes pas à Jérusalem, mais plutôt dans la cité de Kipuku, dans les territoires d'Idiofa. C'est l'entrée triomphale de l'honorable président honoraire de l'Assemblée nationale, Obemina Kunjalanjoko, fils du terroir. Un accueil délirant, comme de coutume d'ailleurs, depuis 2006. Toute cette marée humaine en liesse, scandant des chants d'honneur, des reconnaissances et d'espoir à l'égard de son incontestable leader, qui jusque tard dans la soirée attendait communier avec lui, comme vous pouvez le constater. Un seul message, digne d'un chevronné politicien dans sa bouche. La démocratie, la tolérance et le développement. Nous mettons ensemble la campagne électorale 20. Dans le moment de la campagne électorale, nous avons tout un dimamono. Mais nous avons tout un dimamono. C'est ça la démocratie, nous avons tout un dimamono. Nous avons tout un. Est-ce que quand on monte, il y a une épaisse pour nous taper dans notre foi? Est-ce que nous montons pas nous pour nous taper notre foi? Est-ce que massacre nous montons pas si un gars vous puisse taper ma roue? Pour tomber sa voix la yoïna. Ça me va? Rien. On a moins 10, 20 ou 30. Nous avons pas de y a qui beaucoup ou y a à côté en cas. Nous avons un casole. Tout à coup, ma 32. Quand on est tout à l'heure, nous avons 100. Tout à coup, ma 130. Campagne. Quand on est en train de se faire, il ne faut pas, il faut pas que nous sommes en peine. Les noms, Bélin, Dima, Bantu, à tel parti vert. Quelle démocratie vert. Quelle couleur en vie. Parti de sa magnifique résidence, construite en pleine brousse de Kipuku, l'homme de Kalaï Ngango Kalaï Technique s'est rendu à la mission catholique Koshibanda dans le secteur de Madimbi. Chemin faisant, chaque village le bloquait pour lui témoigner sa gratitude. Arrivé à Koshibanda, c'est l'évêque d'Idiofa, Monseigneur José Moko, bravant les intempéries et les mauvais états de la route, qui a inauguré l'église catholique de cette mission, construite par l'élu d'Idiofa, honorable Obeminaku. Au cours de la messe d'action de grâce, célébrée à cette occasion, l'évêque d'Idiofa ainsi que le curé de la paroisse Saint-Joseph n'ont cessé de féliciter le couple Obeminaku pour cet acte de générosité inédit. Fruit de la spontanéité, de votre liberté de penser et d'agir, a sauvé la spiritualité de tout un peuple qui, 15 ans, jour pour jour, a souffert des divagations et de promiscuité durant les célébrations eucharistiques. Je remercie, je félicite l'honorable Aubin qu'il puisse continuer ainsi. S'il en a, si Dieu lui donne, qu'il puisse mettre dans des œuvres qui vont rester. Les chrétiens venant des 5 paroisses composant les doyennés de Koshibanda n'ont pas caché leur joie car pendant plus de 15 ans, ils n'avaient pas où prier. Betme yongana, betme yongana, betme yongana. Mais boubou, betme kuto mwana mpanyi na beto, menga na beto, mfumu na beto. Professeur honorable, minaku, me kuto tungila beto église. Ya lenda vanda vena ngino na beto, ne un jour, betle na mwana yo, betme mwana yo. Parce que pèse merci. Papa honorable, nous allons dire comment ça la bête qui m'a mouché à rouler ton fou, papa.
yoyi na bet ke na ko sepe la bet fa te église ve ya metungi la bet église ya me sala bet ba eve ya kulota kitese papa tata minaku matondo kwa nzambi beto mwesila ngentonda na nzambi na beto. Rappelons que c'est en 2020, lors de ses vacances parlementaires, que l'honorable Obeminam, ayant prié dans une bicoque à Cochibanda, avait décidé de construire pour le Seigneur, comme Salomon, ce temple au bénéfice de l'église catholique locale d'Idiofa. Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Donc, je voulais absolument vous faire partager ça et saluer donc ces gestes de M. Obeminaku Njalanjoku, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est député de ce coin de la République. Pourquoi j'ai diffusé ça? J'ai diffusé ça parce que je connais un peu le coin d'une certaine manière, pour y avoir été. Et j'ai vécu aussi les difficultés des chrétiens de là-bas qui parfois priaient à l'extérieur. Voir ces compatriotes-là leur offrir cette église a été un grand plaisir, une grande surprise pour moi. Et j'ai voulu saluer ce que M. Minaku a fait. Et puis deuxièmement, vous savez, il faut aussi à un moment donné dénoncer ce qui ne va pas, mais aussi encourager ce qui va. Dans un contexte où la traîtrise, la déloyauté, ça s'est dit, est-ce que ça s'est dit, déloyauté? Si ça s'est dit, pas prenez ça comme un syllogisme. La déloyauté prend le cours. Où les caciques des Kabila, ceux qui ont bouffé dans l'assiette des Kabila, ceux qui ont construit des maisons avec Kabila, ceux qui ont détruit ce pays, parce qu'il faut qu'on se les dise. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent je suis intransigeant avec M. Tshisekedi. Mes chers frères, n'oublions pas que lorsque Kabila prend le pouvoir dans ce pays, il n'a que 29 ans. Prenez votre frère, prenez votre enfant qui a 29 ans et donnez-lui la gestion de la République. Kabila n'a que 29 ans, il n'a pas la culture congolaise pour n'y avoir pas longtemps vécu. Si Kabila a fait ce qu'il a fait au point de recevoir les cailloux des gens, c'est la plupart des gens qui sont là, les caciques, les fameux caciques, qui ont induit le jeune qui avait certainement des idées en erreur. Mais Tshisekedi, lui, ne peut pas avoir cette circonstance atténuante. Il prend le pouvoir au-delà des 50 ans et il connaît les réalités des Congolais. Il connaît nos problèmes. Il connaît nos difficultés. Je le dis toujours, tu sais que d'ailleurs il prie à Castel, il y a mis la Tembo, il y a pris à Tembo, il y a pris à Dendo. Il y a Linga, il y a Chiluba, Congolais, il y a Teko, Avanda Sokte. Lui pouvait comprendre la psychologie et pouvait mieux faire. Mais aujourd'hui, il fait pire que Kabila, qui a pris le pouvoir à 29 ans, un pays complètement déchiqueté. Quand on met le bilan de Kabila sur la balance et le bilan de Tshisekedi, Bolingaete, Soki Lelo, ba Congolais, ba Lobina, ba Ngoba, Pona, entre Kabila et Tshisekedi, il n'existe pas de choix, c'est Kabila. À cause de l'incompétence, justement, de Tshisekedi. Mais dans cette marmaille-là, des confusions, des tel est parti, tel est resté, Minaku est quand même resté loyal à Kabila. On doit lui tirer le chapeau. J'ai vu Lambert Mende au Malanga, 14 ans ministre, bénéficiaire des ordonnances de Kabila, sauter comme un cabri, sauter comme à Tshubuki, a commis plus tshisekediste que tshisekedi lui-même. J'ai vu un type comme Lumanu, Adolphe Lumanu Mulenda Bonansefu, qui disait, ceux qui ont eu un mandat par mois, ou ceux qui sont devenus des gens par mois et qui traitent aujourd'hui Kabila en répondront. Ça veut dire que non seulement que lui s'est construit sur Kabila, qu'il a acheté des maisons, qu'il est devenu riche derrière le dieu de Kabila, mais il a aussi réussi à faire des petits dieux et des petits rois sur Kabila. Quelques temps après aujourd'hui, il dit, Nazan a union sacrée. J'ai dit, mais mon Dieu, c'est quand même terrible. J'ai appris que Tunda Yaka Senda, qui disait Nabeleli Yemei, et qui a été chassé comme un petit rat du conseil des ministres par Tshisekedi, qui lui disait que Kabila était le champion, même Tunda Yaka Senda est aujourd'hui dans l'union sacrée.
Kuna l'homme de Yemei, l'élo à côté Union Sacrée abandonné Kabila. Le Congo souffre d'un problème de modèle. Nous avons des problèmes de modèle. Mais voir et savoir qu'il y a des gens comme Obé Minaku Njalandjoku qui sont restés fidèles à Kabila, on leur tire le chapeau. Je ne dis pas qu'ils sont bien ou qu'ils ont bien géré. Je suis en train d'analyser le moment, l'instant. Donc c'est comme ça que j'ai voulu un peu, surtout quand j'ai vu qu'il est, il est allé construire cette église, je voulais un peu partager. Mes frères, j'ai dit ici dans une de mes émissions que Tshisekedi commet des erreurs graves. Parmi les erreurs que M. Tshisekedi est en train de commettre au sommet de l'État, c'est le fait d'avoir transformé la République à une affaire des COP. Ça, je ne lui pardonnerai jamais. Je ne lui pardonnerai jamais. Le fait de venir au pouvoir et de croire que la gestion de la res publica, la gestion de la chose publique, n'est pas une chose d'honneur, mais plutôt une affaire des COP, ça, il ne faut pas pardonner ça à Tshisekedi. La conséquence, elle est là. Comme c'est un coopérant qui vivait des COP en Europe, entre autres, il y a des chèques, il y a des, je vous ai parlé des faux papiers, il y a des papiers en Belgique. Il est allé vider l'Europe de tous les frappeurs, de tous les chèques-couleurs, de tous les escrocs comme Didier Boudimbou, qu'il a amené au pouvoir. Eux aussi ont fait de l'affaire de la gestion de la République, une affaire des COP. Tshisekedi est le seul président. Oyo même moi na kombo la na président sokaza na COP a kokota na eloko na sa mokondi. Là-bas, le sérieux, le charisme d'un président, le prestige de la première institution n'existe pas. Faites un tour au palais de la nation, regardez l'ambiance qui y règne. Vous allez vraiment vous rendre compte qu'on a pris les Malewas et le comportement de sous les arbres na 10e rue Lumeté qu'on a amené au sommet de l'État. On a pris le comportement des buvettes, des bistrots, des matongués à Bruxelles, des cafés où on était assis pour négocier, ma cop, ma frappe. On a pris ça, on a amené ça au sommet de l'État. Tu sais qu'il y a fait perdre à l'État ses lettres de noblesse. L'État n'existe plus. La première institution de la République n'a plus, ne dégage plus l'aura qui était la sienne. Aujourd'hui, c'est la frappe. Mais voici l'erreur qu'il commet. Il vole, je l'ai dit lors de ma dernière sortie, mais comme des voyous, comme des fous, comme c'est des frappeurs. Ils oublient qu'avec la mondialisation, la modernité, on a la possibilité de tout tracer. Tout l'argent qu'ils envoient dans des paradis fiscaux, des maisons qu'ils achètent en Espagne, des maisons qu'ils achètent à Dubaï, en Belgique, des immeubles qui sont en train de pousser ici à la Gombe. Regardez, tu sais qu'il y a acheté des maisons quand vous êtes, comment ça s'appelle? Quand vous êtes sur avenue de la Justice, je crois. Là où il y a le fête parfaite, le c'est ça, fête parfaite, je crois. Le, comment ça s'appelle, la salle de fête de M. Albert Youma Erana Gombewana. En face, quelque part là, vous voyez tous les immeubles qui poussent là-bas. Bah, immeubles Zomantana Gombe. Ce sont les immeubles des frappeurs dont Tshisekedi lui-même. Bazo frappé, bazo. Mais ils le font tellement de manière bête et inintelligente qu'ils laissent des traces. Il y a un abîme dernièrement. Azo li azo sopa soupou na bilamba. Prenons l'affaire de l'avion, mes chers frères. Diassolo aujourd'hui est dans des beaux draps en Belgique. Monsieur Tsimo Diassolo, ces vieux qui étaient respectés dans le domaine de l'aviation, il va quitter la terre des hommes par la petite porte. Parce que Diassolo, sa vie est derrière lui. Diassolo a 81 ans aujourd'hui. Je voudrais ici poser la question à M. Diassolo. Comment on se laisse embarquer dans une tricherie, dans une fraude, dans une opération de détournement, de vol de tout un peuple, de tout un pays à 81 ans? Vous connaissez Diassolo, coupez cette vidéo, envoyez-le lui.
Mboka nini o même basage ba koko ba tata. Chez nous on dit muto akomi mokolo soki afandi bato bazoya kozwa sagesse c'est pas nae. Monoko a mokolo lumba ka solo meloba makamba malunga. Oyo monoko ya dia solo ayeko lumba solo parce qu'il a 81 ans. Mais comportement na makambo ko bima na monoko a solo yango pe solo koko ya ndenge nini dia solo. Comment on pouvait accepter à 81 ans de mettre la République à genoux, à participer à une fraude, à une frappe avec Félix Tshisekedi? 81 ans, monsieur Diassoloa. Aujourd'hui, il est dans la merde. Passez-moi cette expression. Il a des problèmes en Belgique. Diassoloa a 81 ans, mes chers frères. Seule expérience de Diassoloa, si vous ne le savez pas, Diassoloa, c'est le commandant de l'avion. C'est le soi-disant patron de la société Capital Airlines, la société de Félix Tshisekedi, Oyo va frapper ba sombi avion au monde à Félix a loué soi-disant. Mais regardez ce qui se passe, mes chers frères. Regardez ce qui se passe. Diassoloa, ancien pilote de Air Zaïre. Air Zaïre est Koufakala. Diassoloa est allé en Belgique. En Belgique, Diassoloa vivait de manière démunie. Il n'avait rien. Et pour preuve, posez la question, Diassoloa était inscrit à la CRAPA, ou bien à la CRAPA en Belgique, la garantie des revenus aux personnes âgées, GRAPA. Diassoloa était inscrit à la GRAPA. Au fait, la GRAPA est une sorte d'assistance sociale mise en place en Belgique pour des personnes ayant dépassé 65 ans, c'est-à-dire... Si vous dépassez 65 ans, vous êtes supposé être à la retraite. Mais il y en a des personnes âgées au-delà de 65 ans qui n'ont pas suffisamment cotisé ou qui n'ont pas de moyens pour assurer leur retraite. Ils sont alors élus, ils sont alors bénéficiaires de la GRAPA, la garantie des revenus aux personnes âgées, garantie aux personnes âgées. Donc, ce qui fait que Diassoloa était donc bénéficiaire de la GRAPA. Comment quelqu'un qui était bénéficiaire de la GRAPA, quelqu'un qui vivait avec la GRAPA, pouvait-il en un claquement de doigts, en un clin d'œil, devenir millionnaire, non seulement millionnaire, multimillionnaire, au point d'avoir une société qui peut aujourd'hui acheter des avions à 100 millions, à 80 millions de dollars. 81 ans. Le fisc belge a dit non. Et Diassoloa a commis l'imprudence de sa vie. Dans une interview faite ici chez moi, il a reconnu, il a assumé en disant, cette entreprise-là, c'est mon entreprise. Les Belges ont ouvert, le fisc belge a ouvert un dossier pour que Diassoloa vienne s'expliquer. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour acheter ses avions? Comment quelqu'un qui jusqu'à hier vivait grâce à la GRAPA peut-il aujourd'hui venir vous dire qu'il a des avions à 100 millions de dollars américains? Et par-dessus tout, la justice va poursuivre Diassoloa parce qu'il y a aussi un autre dossier, un autre pan de ces dossiers qui s'ouvre au niveau de la justice pour blanchiment d'argent. Pour blanchiment d'argent. Ça va remonter jusqu'au frappeur en chef. Le frappeur dans cette affaire, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui a frappé la République, les amis. Dans un jeu de passe-passe avec un autre voleur, un brigand financier, un voyou, J.C.K. Kabongo, si c'est J.C.K. Kabongo, l'ami du frappeur Félix Tshisekedi. Des J.C.K. qui étaient en Europe à ne rien faire de leur vie. Ils étaient là à ne rien faire. Aujourd'hui, c'est J.C.K. Kabongo avec Tshisekedi qui ont fait ces montages-là d'un jeu de passe-passe et de tour-tour pour prendre de l'argent de la République. Bakeba bah, sont mis avions, deux avions, avec les garanties données par le trésor public à Congo. Mais cet avion-là, il crée une société écran qui s'appelle Capital Airlines. Bakeba bah, Diassoloa, un ancien commandant, Babimissier, responsable de cette société-là, qu'est-ce qu'ils font? Non seulement qu'ils nous volent avec notre argent, parce que l'argent qui a acheté cet avion, c'est notre argent. Deuxièmement, mes frères,
avec l'argent acheté de la République, bah créer avion à Tshisekedi. La société Capitole appartient à Félix Tshisekedi. Mais Bazu, Batiango, Babimissi dit sur la société écran. Et ils viennent maintenant faire louer ces avions-là. Avions aux Arami Balé. Il faut louer ces avions au pays. Bah frapper. Donc, si Tshisekedi quitte le pouvoir aujourd'hui, il prend cet avion-là, tout. Là, maintenant qu'il est au pouvoir, il nous vole avec la location et après son départ, il va partir. Tshisekedi, vous croyez, vous, Félix, qu'après votre pouvoir, on va vous laisser circuler calmement avec cet avion-là? Vous vous trompez. Vous allez sortir par la petite porte. Vous sortez. On va vous jeter comme du papier, vous, Tshisekedi, de la fenêtre. Détrompez-vous. Ni les Blancs, ni nous, nos Congolais, nous vous laisserons, vous, après avoir jeté l'opprobre sur votre père, après avoir détruit le pays et volé comme vous êtes entrés, vous pensez qu'on va vous laisser partir en paix? Vous vous trompez. Diassola, aujourd'hui, doit s'expliquer. La Belgique demande des explications à Diassola. La Belgique demande, le fisc belge, où Diassola a-t-il trouvé l'argent? En réalité, l'avion n'est pas un bien des Diassola. L'avion et la société Capital Airlines est une société de M. Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, le frappeur qui est au sommet de l'État là-bas. C'est votre argent qui a acheté cet avion-là. Je vous dis toujours, mes chers frères, s'il y a quelque chose que je ne ferai pas, c'est d'annoncer des choses pour lesquelles je n'ai aucune maîtrise, aucune preuve. Parce que je sais que si ces gens veulent me démonter, ils trouveront des choses pour venir contredire ce que j'ai dit. Je prends soin de vérifier et d'être sûr de ce que je vous annonce. J'ai commencé à parler de cette affaire d'avion. Boyo qui n'a rien qu'à contredire. Miyibi, Bayibi Mbongwa Mboka Nabino, Bazoko Papa Mboka. Tshisekedi n'agissait qu'à Kabongo, ne ba monté l'okwana mouyibi avion wana, ba ke kozwa koko wana ya 81 ans. Koko biso to kanisa kiso o komi mo bangé sou ki a pembe bimio, eza synonyme à sagesse. Koko ya frappeur, Diassolo Simon, un papi frappeur. Koko ya frappeur. Au lieu à 81 ans, afanda ibisa Tshisekedi abi mwana. Ngai na sala na Mobutu, na sala na Erzaïr, mboka na biso za na ba problème, mwana o komi na pouvoir sunga mboka. Non. Na yé na maman Marthe, parce qu'il a dit ici qu'il était très proche de maman Marthe, Diassolo yé mo comme talobi. Na yé na maman Marthe, o le ba fan da ba fan sa Félix ba bende matoi. Non. Na ba AGC Poussani bazoko frappé. Ta la koko oyo Simo Diassolo 81 ans, animi a kota na kati ya frappe oyo Félix na jise kaka bongo ba sali pona bloka ba avion. Lelo sikoyo, il faut que ndoko loba devant ba Belge, mbongo o yazu ya kosomba 80 millions, 100 millions ya kosomba ba avion azu wapi. Je vous dis toujours, boyo kamute mama be na bango. Le seul avion que Félix a acheté pour sa jouissance, ya ye moko ya moyibi, et kouka yko refaire flotte nyon sotu ya Congo Airways. Toute la flotte de Congo Airways, les 4 avions, Matatazan la bombe moyaza qui chasse à bout tout naïa, son bango 80 millions de dollars. 80 millions. Bah Airbus, ou Zarba Airbus à 325, Mobutu, Nani, Laurent Désiré Kabila, Lumumba. À son bango 25 millions, ça fait 50 millions. Les deux petits bombardiers, ou Anna, Anouari Tenengampe, Tana Moussou, comme l'on Zarani, Naïba, Anouari Tenengampe, Tana. 15 millions. Donc 25 millions, ça te fait 50. Plus 15, ça fait. Donc avec 80 millions de dollars, Congo Airways est salamané au moment d'avion. Lélo Congo Airways est un avion mort alors que Félix a dit que Kosabiso, Kassombi 8 avions. Banda, Kosabiso 8 avions, Yakate. Quand il faut acheter des avions, à Kei, à frapper, à sombiner Bavion, il y a une société Naye. Bazu Kokoana, il y a solo à Bakot Sinakate. Lélo. Je reviendrai ici pour vous dire l'évolution de la situation. Diassolo est dans la merde. Diassolo est dans des beaux draps en Belgique. La situation se complique pour Simo Diassolo. Un homme qui vivait avec la grappa.
la garantie des revenus aux personnes plus âgées, Batou Obaba démuni, Diassol a donc été reconnu comme un démuni en Belgique. Azaki n'a pas moyen T, bah cotisier en assistance sociale et agrapa, à qui nous avons moi quelques héros, na souka sanza po alian, na 81 ans, souki a pembe, alali à la mouki à l'obike, azara na société comme na Capital Airlines, po ba yi bambon wa Congo, bazami yibi. Mais, boza la kimia, Félix Azo Longwa, toko longo la ye. Entre temps, Félix fait de la gestion de la République une affaire de COP. Félix, pour lui, la République est une affaire de COP ya mouyibi. Moka ezo kende na moto. En 4 ans de pouvoir, Félix a fait plus de 250 voyages, mes frères. Donc, sur les 4 années de Félix Tshisekedi, ce qui m'a calculé, année moko zara combien 365 jours. Félix Tshisekedi a 250, mais ça a plus de 250 voyages. Si on donne à Félix un voyage 4 jours, parce qu'il y a deux fois à Kindara, ça a 2 semaines. Il y a deux fois Félix à Kindara, ça a 2 semaines. Ce qui est au Keno, tous un minimum. Félix a sali 250 voyages alors qu'il en a fait plus. Sur le 250 voyages, mon père, si voyage mort 4 jours alors qu'il en fait plus, 250 fois 4, ça vous fait 1000 voyages. Donc, Félix a sali 4 ans à pouvoir, mais n'a 4 ans à pouvoir, a sali plus de 3 ans Liban qu'on a pas voyage. Il parle de la diplomatie. Diplomatie agissante, diplomatie agissante, diplomatie agissante, diplomatie agissante. Aujourd'hui, malheur est de constater que la diplomatie de Félix est une diplomatie claudiquante. La République a perdu en termes d'image. La République a perdu en termes de moyens depuis que M. Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir. La guerre que nous avons dans l'Est de la République, dites-moi qui est l'allié sérieux de M. Tshisekedi. Vous qui vantez la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, qui est l'allié de Félix? Quel est ce pays aujourd'hui qui peut se mouiller pour Félix Tshisekedi? Bazate. Tout le monde parle de lui, voit en lui un aventurier. Quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Un aventurier. Le Congo est devenu la risée de la planète. Les gens se moquent de nous. Ici, j'ai dit, on savait déjà à l'époque que Mobutu, par exemple, il était proche des Américains. Mobutu était l'œil de la CIA au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. Mobutu a dit Moutaba américain, Mouta CIA. Kabila, Laurent Désiré qui chasse Mobutu. On sait ses acquaintances. Il avait ses amis. Toutes ces personnes qui avaient une sorte d'idéologie marxiste et communiste, comme on dit. Kabila, on sait qu'il était très proche de Mugabe. D'ailleurs, quand il meurt, on amène d'abord son corps au Zimbabwe. Mastanaye Mugabe. Kabila était très proche des Mozambicains. Kabila, Joseph était très proche, plutôt Laurent Désiré était très proche des Namibiens, des Angolais. La preuve, quand le RCD est avancé jusqu'ici vers le Congo central, c'est l'Angola qui vient pour bloquer la progression du RCD. Quand les Mende et les autres nous ont coupé les courants ici, ce sont les alliés de Kabila, les Angolais, qui viennent pour déloger le RCD de Rubero et les autres vers le Congo central. N'eût été ça, le RCD approcherait vers Kinshasa ici. Le RCD approcherait vers Kinshasa. Il avait ses alliés. Joseph Kabila prend le pouvoir. Il consolide les alliés lui laissés par son père. Très proche des pays de la SADC. Très proche de la Tanzanie où il a vécu, où il a étudié. D'ailleurs, en 2013, quand il fallait chasser le M23 que Tshisekedi est allé ressusciter, ce sont les Tanzaniens qui sont venus mourir chez nous pour nous aider. Ils sont venus avec la brigade des Nations Unies. Les Tanzaniens sont morts sur notre sol pour chasser le M23 à l'époque, à cause des bonnes relations qu'avait Kabila. Mais Tata Oyo Mutambula Mpimpa Oyo a Félix Tshisekedi. Touriste, quel est l'allié de la République démocratique dans le Congo et la situation de Tozanango? Quel est ce pays qui ouvre sa bouche pour condamner le Rwanda? C'est qui? Pour indexer, doiter le Rwanda? Et ça wapi? Baza wapi? Mboka est comme yembele yembele, Tozangi Mayel. C'est parce que la tête n'est pas crédible.
Il a pris les avions, il a voyagé comme un Magellan pour ses besoins touristiques. Aujourd'hui, je regarde la caméra, je leur pose la question. Vous pouvez nous faire un bilan de la diplomatie des voyages, de la diplomatie soi-disant agissante de M. Tshisekedi? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Regardez-nous dans les yeux, faites-nous les bilans. Pas plus tard que la semaine dernière, pendant que nous sommes en pleine guerre, les Nations Unies ont envoyé une grande délégation. La délégation est arrivée, partout, et ils sont allés à Goma. Écoutez ce que le chef de cette délégation l'a dit quand il est à Goma. Écoutez le chef de la délégation des Nations Unies à Goma, Bolanda. Les Nations Unies ne peuvent pas tout faire. Elles ne sont pas en charge de tout. Les autorités de la République démocratique du Congo sont également en charge. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont chez elles aussi. Donc c'est une responsabilité qui leur incombe. Les Nations Unies sont là pour aider. Il n'y a pas de solution magique, ce ne sont pas les Nations Unies qui vont régler toutes seules le problème, c'est clair. Donc il faut une négociation politique, il faut une solution sécuritaire, mais n'attendez pas des Nations Unies qu'elles règlent les choses de manière magique et de manière instantanée et à la place des autorités congolaises. Ne rêvez pas. Ce que nous venons de suivre là, c'est le patron de la délégation des Nations Unies qui a séjourné au Congo. Je vais revenir sur ces déclarations-là, mais avant, écoutez alors la réponse éhontée, je pèse bien mes mots, ridicule, la réponse médiocre des jouisseurs qui sont installés au sommet du pays. Écoutez comment Lutundu la répond à ces messieurs, Tokozong, Tolanda. Ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est un héritage, un lourd héritage qui a été légué au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et qui s'emploie chaque jour, dès son investiture, à, si vous voulez, à régler cette facture-là de manière que nous puissions vivre dans la normalité, normalité républicaine, démocratique et la normalité sociale aussi. Donc ça ne nous gêne pas du tout d'en parler, encore une fois, en toute franchise. Laissez-moi vous dire que c'est extrêmement grave, c'est une erreur. À la limite, qu'on peut éviter si on est de bonne foi, c'est une erreur que de penser que dans ce pays, les autorités actuelles de ce pays pensent que les Nations Unies, qu'il y a un pays au monde qui résoudra les problèmes des Congolais, quels qu'ils soient, que du contraire. Il est également extrêmement grave et inadmissible que on vienne en RDC pour effectuer une mission noble dont je venais de vous donner l'objet, parler avec les autorités congolaises, et je vous ai dit que nous avons demandé que ce soit la sincérité, la franchise, les vrais diagnostics, et qu'on vous fasse ce diagnostic, et par la suite, vous faites le Ponce Pilate. Cela n'est pas possible. Si nous sommes avec les Nations Unies, c'est parce que nous sommes des hommes et des femmes, des Congolais, corrects. En effet, les Nations Unies, vous pouvez lire la Charte des Nations Unies, chapitre 1er, article 1er, parmi les objectifs fondateur des Nations Unies, ce qui figure en première place, c'est la sécurité, le maintien de la paix, la sécurité à travers le monde. Et si vous continuez au chapitre 7, article 39, jusqu'à même 32 au-delà, il a été mis un dispositif juridique, clair, comme je dis, comme de l'eau claire dans un verre clair, qui organise la manière dont les Nations Unies, en particulier l'Organisation des Nations Unies comme instrument institutionnel, accomplit.
Il est également extrêmement grave. Mes frères, là, vous venez de suivre la réaction de la République démocratique du Congo. Pour faire complet, on revient d'abord sur la déclaration des Nations Unies. Je vais commenter là-dessus. Régis, revenons sur la déclaration des Nations Unies. Je veux vraiment que Boyoga Mamboué Lobama écoute Amnon Namoutou avant de commenter. Tolanda. Les Nations Unies ne peuvent pas tout faire. Elles ne sont pas en charge de tout. Les autorités de la République démocratique du Congo sont également en charge. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont chez elles aussi. Donc c'est une responsabilité qui leur incombe. Les Nations Unies sont là pour aider. Il n'y a pas de solution magique, ce ne sont pas les Nations Unies qui vont régler toutes seules le problème, c'est clair. Donc il faut une négociation politique, il faut une solution sécuritaire, mais n'attendez pas des Nations Unies qu'elles règlent les choses de manière magique et de manière instantanée et à la place des autorités congolaises. Merci. Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la région. Mes chers frères, cette déclaration se tient en République démocratique du Congo et plus précisément à Goma, dans une zone en conflit totalement déchiquetée. La déclaration du Conseil de sécurité est une preuve de l'échec patent de la diplomatie de M. Tshisekedi. C'est une gifle de plus que le jouisseur et frappeur Tshisekedi reçoit sur son sol. Et moi, ça me conforte dans tout ce que je vous ai toujours dit. Regardez leur chaîne. Ils sont allés m'insulter. Ils ont dit que j'ai travaillé pour le Rwanda. Ils ont dit que j'ai travaillé pour ceci. Et pourtant, je n'ai fait que leur dire la vérité. Je n'ai fait que vous dire la vérité. Les Nations Unies vous disent, n'attendez rien de nous en clair. Nous ne pouvons pas venir prendre votre place. Nous ne ferons pas le travail à votre place. Regardez comment nous sommes ridicules, mes frères. Regardez comment nous sommes ridicules. La même question a été réglée avec Emmanuel Macron qui vous a dit que vous êtes là, il faut protéger votre souveraineté. Des réformes de l'administration, votre armée. Mais c'est tout ce que je répète ici tous les jours. Mais les gens sont tellement idiots. C'est comme si ce sont des sorciers. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ici, je suis allé en totale contradiction avec Moïse Katumbi, avec Martin Fayoulou et avec Matata. Lorsqu'ils ont demandé aux Congolais de descendre dans la rue, soi-disant pour soutenir les FARDC, j'ai dit, vous faites les jeux de Tshisekedi. On ne peut pas soutenir les FARDC paupérisés, maltraités par un commandant suprême inconscient comme Tshisekedi. Inconscient, irresponsable, qui crache sur son armée. C'est ce qu'on vient de vous dire avec la délégation des Nations Unies. Quelle est la différence entre ce que moi j'ai dit? Je vous ai toujours dit, le problème ce n'est pas le Rwanda, le problème ce n'est pas Kagame, le problème c'est le frappeur jouisseur qui est à la tête de votre pays. Quand il a pris le pouvoir en 2019, les amis, le M23 n'était pas là. Le Rwanda n'était pas chez nous. Tshisekedi peut-il vous dire en 4 ans quelles ont été les réformes que lui a menées pour mettre notre armée à l'abri, pour réformer notre armée? J'ai suivi ces pseudo-professeurs Mbata en train d'insulter les généraux Mbata ici. Mbata qui mettait des chemises longues jusqu'ici. Mbata qui mangeait avec nous et les Mike Mokebaï dans les Maléwa Alimete. Mbata aujourd'hui, il gagne plus de 200 000 $, plus Soko Sangisi. Mbata, il est devenu riche, il achète des maisons à Limité. Mbata commence à insulter les généraux. Mbata insulte les généraux, il dit que bazo ça les locaux, bazo il bambo, bon, on a bon, on a est, on a bon, équateur. Mbata oublie que lui, Mbata, l'année passée, il nous avait dit que d'ici le mois de décembre, la guerre va s'arrêter.
Il a pris l'engagement à la télévision nationale. Il a promis au peuple congolais que d'ici décembre 2022, on ne parlerait plus de M23. Nous allons marcher sur le M23. Mbata. Mbata. Un pseudo-professeur. Toutes les théories qu'il développait, Zaki Yanzala. Lokoso Libumu Zaki ne l'okote Nzala Moutebandeko Bomaye. Nzala. A koti lelo na pouvoir. A komi golia na kanyande waloba na lingala. A yoke lengi ya tomate cru. Mbata lali na mbetu ya climatiseur. Mbata sombi veste. A ye koliko la ta cravate. Mbata. Mbata ye koliko so ma pangu na limete. Mbata. Mbata bosa ni biloba loba nyo soto manda yeko loba. Mbata. Mongwe langu siye matiye na mutu. Azo le ganate va zolo ba buzo ba zolo finga ba genero. Umoni ba mbata o, nde ba loba na kin. Bino ba tubo fingi sa diamba ya ba mbata o. Ba tubo fingi sa diamba ya ba mbata. Ba tubo fingi sa diamba. Ba tumusu ba zaso ameli diamba. Afandi kalme. Ezape na ba mususu ba fingi sa diamba. Doko fingi si diamba. Nde ba mbata o ya fingi si diamba. Bambata. Jambe fandi na ngombata ya finisi yangu. Bazi bele na bandoya ya sabino moko moko ba ofingi sa wa diamba. Bazi ofingi sa diamba. Ofingi, mbata fingi si diamba. Elengya mongo. Mbata oubli tout ce qu'il disait. Mbata a pris acheter des maisons. C'était un nouveau riche. Un nouveau riche. Un frappeur. Frappe sur frappe. Frappe sur frappe. Tala siga ba mimimboka. Des incompétents. Des irresponsables. Des jouisseurs, des frappeurs. Bambata wana nyoswana. Mbata loba li sou français. Je vous disais ici, boy, sanga mbata koma livre net. Ou atang sa en Afrique du Sud. Ou atang sa raboy. Ou mbata boy. Un pseudo professeur. Bozana pouvoir la kisa maele na yo. Professeur à l'okuta. Miyibi. Mbata, 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 miyibi. Yomba toloba ki awa ke na décembre, vous allez marcher sur le mbata. Il a dit à la télévision nationale devant Oscar Mbal Kaij. Il a dit que d'ici décembre, guerre est aussi là. Je vous prends en témoin. Tozan, en mois de mars, mbata passe à la télévision pour insulter les militaires. Et le nyambongo. Ozago tambola na nzala ozo yenga yenga nzala ozo tambolo bandoro loba biloba loba kabilo fingi yo tsi lisie omoni pouvoir nere salibino hein mi yibi boye wana pona ko yibelo ko bosa lesate kosomba ka ba mapangu lelo kosomba mbata zo soma mapangu lo la mapa André Mbata un pseudo professeur de rien du tout c'est que on vous dit aux Nations Unies c'est ce que je vous ai toujours dit mes frères quelle est la différence entre ce que moi j'ai dit. Demandez à Félix Tshisekedi en 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour votre armée. Tout ce qui arrive ici, le responsable de ça, c'est Félix Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui a ressuscité les M23, mes frères. C'est Tshisekedi qui est allé prendre le Rwanda, le Lotogoluba, Azumbo Kafandi, et puis il insulte cette armée-là. On vous dit aux Nations Unies. Il envoie Lutundula raconter des bêtises. Lutundula que je croyais un peu intelligent. Lutundula que je croyais un peu intelligent. C'est comme si, à chaque fois que tu t'approches de Félix Tshisekedi, tu t'abrutis. Comme c'est un clic des gens qui ne faisaient. Même les plus intelligents, les lucides qui s'approchent de Tshisekedi. Une fois que tu es en contact avec Tshisekedi, tu t'abrutis. Le régime de Tshisekedi est un régime abrutissant. Bon, yo kasiko réponse à vos soto à vos oba au Lutundula ropes. C'est pour vraiment ça qu'il a trahi Moïse Katumbié qu'il est allé chez Tshisekedi. Bozo longwa, tokoye babino, tokotala na babino, bozo kende. On va vous voir. Tshisekedi est là depuis 4 ans. Regardez sa corpulence, regardez sa morphologie, regardez sa femme, regardez ses frères, regardez ses enfants. Batindelinga image moro. Kota la cortège moulaï. Natuni nabu ezana nyo David Mangaya. David Mangaya. David Mangaya c'est qui? La personne qui me dit oh oui David Mangaya t'es ngabi David Mangaya t'es. Oh bah yé makaya ngabi David Mangaya zanani.
Oh David Mangaya, moi Bokilo yanani ya ya Tshisekedi, abali soki moi moi na ya Tshisekedi. J'ai dit alors, t'as la cortège donc pique. J'ai dit oh, donc cortège joue les uns David Bokilo. J'ai dit mais on aura tout vu, on aura tout vu, on aura tout vu dans ce pays. Et c'est pour ça que ce monsieur a pris le pouvoir. C'est ça le pouvoir de l'UDPS. C'est ça le pouvoir de l'UDPS. Pouvoir à David Mangaya. Sorry David Mangaya. N'ayez pas qu'à tâter. Moutoumou a tiré la image à tout sexe. Péro talamboka. N'a tout mboka nini. Oh nan nan. Oh oh oh. David Mangaya. N'ayez pas David Mangaya. Pouvoir y'a Anthony. A sekouissi ba manda Mobutu. Anthony a comme presse de la RDC. Moi na wana Anthony. Aye bisabino diplôme na ezanini. Tshisekedi tchaye PC na société a mounene ya. Logo la Syncomine, représentant la République démocratique du Congo dans l'affaire de la société créée dans le cadre des contrats chinois, qui sont en train d'insulter Alenguette et lui, le représentant de la RDC, ces garçons qui se promènent dans toutes les boîtes de nuit, Anthony Tshisekedi, qui voyage en jet privé en train de boire des champagnes. Il y a 5 ans, Anthony Tshisekedi était quoi? Il a fait quelle étude? Moi, non, on attend la classe, il y a un diplôme de l'EWAP. Anthony Tshisekedi, aso diplôme de WAP. Yé moutoya na ba camarade na bloko aram, ba zoko yibane ba osala. Anthony Tshisekedi. Voilà le pouvoir de Tshisekedi. Et il vous distrait. Vous sortez, vous organisez les marches, nous soutenons l'armée. Nous... Quelle armée vous devez soutenir? Les Nations Unies vous disent, personne ne fera des choses pour vous. Aucun pays ne viendra mourir pour vous. Aujourd'hui, dans qui même Martin Fayoul est en train de se réjouir, l'Angola vient chez vous, non pas avec un mandat offensif. Ils disent qu'ils viennent protéger. C'est-à-dire qu'ils viennent renforcer le M23. Mais c'est ça la balkanisation, mes frères. Le Burundi est là, à gauche il fait ce qu'il veut, l'Ouganda fait ce qu'il veut, le sud, même le sud Soudan il fait ce qu'il veut. Congolais, réveillons-nous. Mbokezo kende bandeko. Mbokezo kende. Mbokezo kende, mes frères. Mbokayako kende. Il a créé un désert, un monstre au sein de l'armée. Depuis que l'histoire de l'armée existe, il donne le commandement chef d'état-major général Christian Tshiwewe. Christian Tshiwewe a fait quelle académie militaire? Bozo mona Kabila wana yemoko général atanga makambi ya kisoda na nanani na na Chine. Mais quand il nommait des chefs d'état-major généraux, c'était toujours des brevetés des grandes écoles d'armée. Ba ki simple sungilanga wana tanga yokoyoka. Hasala, akenda l'académie militaire ya Belgique, académie militaire ya Londres, akenda boy. Bambala Moussens, oyoyo, Mbala Moussens. Demande, bota la CV naye. Atanga l'académie ya boy, atanga l'académie ya boy. Lui, le jouisseur, comme lui-même n'a pas de diplôme, il ne connaît pas l'importance des diplômes, il prend l'armée, il donne à Christian Tshiwewe. Dites-moi, quel est le CV de Christian Tshiwewe? Tshiwewe a quel brevet d'armée? Tshiwewe a fait quel. La conséquence, c'est qu'il met Tshiwewe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le commandement. Alors que Tshiwewe, chef d'état-major, on lui retire ce qui n'imagine Moutazo commander Makamoutou, c'est le chef de sa maison militaire. Si c'est son oncle, si c'est qui là, c'est lui qui décide même de la stratégie. C'est quelle armée? Il prend un jeune là, Chico, si c'est le général Tsoko Baobenge Soki Chico, et c'est chef de la maison civile avec un certain Chico. Chico qui croit que l'armée c'est la SAP, c'est eux qui décident de ce qui se passe au sein de l'armée. Et vous attendez quoi d'une armée comme ça? Au lieu de que nous manifestions pour chasser ce monsieur, vous vous descendez dans la rue, soi-disant pour soutenir encore des bêtises comme ça. Fayoulou, Matata et Katumbi. Nous descendons dans la rue pour soutenir comme ça. Vous pensez qu'aussi longtemps que Félix Tshisekedi va rester au pouvoir, même si la Russie prenait toutes les armes qu'il y a, rien ne va réussir. Qui commande nos troupes sur terrain? Est-ce que Tshiwewe connaît la planification qui s'est faite? Lui-même, Tshiwewe s'est plaint. Tshiwewe s'est plaint. Est-ce que Tshiwewe sait ce qui se passe là-bas? Bazu commandement, Tshiwewe chef d'état-major général, c'est le chef de la maison civile qui décide des opérations avec un certain, si c'est le général Chico. Chico là, il a fait à l'armée où?
ici à Kananga, on a donné un sapeur, John Tshibangu, un sapeur. Un sapeur. A Memima Benda, Vimbisu Loboko, Azo Otambo Laboye, armé Yangoana, un sapeur. Alati Kepia Simbika Nazo Tambola, Mbok Ezobim Samobulu, Ake Dubai Azo Kangaba Photo, général, John Tshibangu, général. Maka sinon kokendo luka batu na Zambi, okanga batu na Zambi. Yo John Tshibangu okendo kanga na M23 te. Tshibangu bazo tinda ye, kendero luka pero, kendero luka pero. Maka sinon yoko luka biso ba civil, okeko zomu nongwa na Zambi. Yo John Tshibangu, nazo loba na yo John Tshibangu. Nazo loba na yo John Tshibangu. Kendero luka pero, kendero luka pero. Ba, ay, ajima pekache bo. Pero, ngana, bo keno, kendero bunda na nani? Oye, oye na Zambia wa, ozu general Munongo, okangi, ozu general Munongo, kangi general Munongo. Makasi na ye, John Tshibangu, John Tshibangu. Tala, azu a vimbisi mapeka, azu, mapeka ane ke obunda na STT. C'est ça l'armée de Tshisekedi. Et vous, vous dites que nous devons descendre dans la rue pour aller soutenir des bêtises comme ça. C'est des bêtises, mes frères. C'est des bêtises. Il prend la nerf, il donne à Hervé Mbelou. Oh, les cachots vont être fermés. La nerf est commis. Naebi ke bofandi, na linga bino bofandi na ba bureau na bino bo talangai. Bozo ko kanga batu, ba civil. Bo kangi Jimmy Mukendi, bo kangi onani. Bozo ko kanga batu. Bo kangi mwana onani Manix Yenda. Bo kendo kanga ba M23. Bo kendo kanga ba M23. Bo kanga bango. Des gens intelligents comme le François Beyabozu Bolongoli bango. Et vous me demandez à moi de soutenir une chose comme ça. Vous demandez au peuple de descendre dans la rue pour soutenir un truc comme ça. Le seul chose, la seule chose qui nous reste à faire, la seule marche qui nous reste à faire, mes frères, c'est la marche anti-Tshisekedi. Il faut chasser Félix Tshisekedi. Il faut chasser Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Cet homme nous mène droit vers l'abîme. Il va falloir chasser Félix Tshisekedi. En 4 ans, aucun botine militaire en a botinité, militaire en a maïté, militaire en a l'okoté, bako bunda kuna ba nelo, makile bimi, sparadrezate. Allez, bonjour, Luba, Nations Unies, Nations Unies, Nations Unies, on vous a dit. Les Nations Unies ne viendront pas travailler à votre place, mes frères. Kabila, cette armée, je l'ai héritée de Kabila. Cette armée, je l'ai héritée de Kabila. C'est Kabila a mis les Rwandais. Vous avez pris un monsieur ici, comment est-ce? Tabou. Tabou qui est commandant de la sécurité de Tshisekedi. Un ancien vigile de Belgique. Il est de nationalité belge. Qui l'a mis à l'armée? Nani a commis ses capitaines? Azu a pécié, c'est grade, c'est Kabila, c'est Tshisekedi. Les généraux qui ont été cités dans des histoires des Nations Unies qui sont encore là-bas. Kabila, c'est président de la République. Qui a empêché Tshisekedi de permuter les généraux à Rolongola? Tshisekedi, n'a pas empêché. Ah, Rolongola, Gimbala, Moussa, Sache, Chouwe, Bakangi, hein? Mutu mobimba a sumare logo te nyosoka ka baninga baninga nyosoka baninga soki bolingi mboka na bino bandeko. Si il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, levons-nous nous tous, chassons ces jouisseurs et frappeurs du nom de Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Il faut chasser Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Soki to sali yango te bandeko, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. A commissaire armé lo kwali c'est qui? A commissaire armé le quali c'est qui? A commissaire mboke le quali c'est qui? À l'heure où je vous parle, l'Est de la République est miné. L'Est de la République est miné. La balkanisation est là. On est en train de piller nos ressources. Avec la bénédiction de ce monsieur, de ce Félix, si tu sais qu'il est ici. C'est lui. C'est lui le responsable. C'est Félix. Et je vous ai dit, vous allez voir, les gens attendaient que le M23 prenne Goma.
La stratégie maintenant, ça va changer. Ils ne vont pas embarrasser le Kenyan qui est là-bas. Ils vont contourner pour aller prendre des Bukavu. Ils vont prendre des grandes villes pour nous mettre à genoux. Pour nous mettre à genoux. Tous les bruits que Mouyaé et les autres font dehors là-bas. Mais, awawa na entrée à Villa na Mbakana. Na Bandundo na Mbakana. Bakomi ko boma bato. Makambo et bandeko sam et salama na est na Badef. Et komi na porte à Kinshasa. Bazo boma bato na Mbakana. Bazo kata bato wakoti wakata ebino mitu. Awawa na Mbakana. Mbakana c'est à Kinshasa. Mbakana c'est à Kinshasa, mes frères. C'est à Kinshasa. Yé a fandi na ye. Azo me la ba tembo na ye. Aon me la ba champagne. Na chivas. Moussala la bango boutou. Chaque pokwa. Chivas tembo. Chivas tembo na champagne. Chivas tembo. Masanga na masanga. Après ba koti na ba vio. Ba lati ba. Ba, allez, ba kei. Ba zo tambo la. Bengana Félix Tshisekedi. Il faut te lancer opération. Bengana Félix Tshisekedi. Lui dire trop c'est trop. Bengana ye. Degré ou de force. Degré ou de force. Il faut chasser ce monsieur. Il faut lui dire que monsieur, la jouissance a trop duré. Nous en avons marre, nous n'en pouvons plus. Nous en avons marre. Oya qui pour nous frapper, aussi frapper. Oya qui pour nous nduka, aussi nduki. Et là, on y est si la raté. Film a yesu kouté si la, et là, on y est si la raté. Mouyi binini si la raté. Il a nié cela. Fi maïe ce côté si là. Il a nié cela raté, bannego. Il a nié cela raté. La République va mal, mes frères. Bazo boto la biso moka, ba otega biso moka, to fungo limi suto ota, ba onlo rababla. Si nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, tout élément, moi, na maman Marthe, yagi na mission moko ya ma paix. Agi na mission moko ma b. Et nous sommes en train de lui laisser concrétiser la mission pour laquelle il est là. Koyiba ko papa ko détruire. Nous assistons de manière passive à la concrétisation de la balkanisation de notre pays. Nous sommes quel peuple? Nous répondrons de ça, de notre naïveté. Nous répondrons du fait que nous sommes restés amorphes alors que le pays était en danger, alors que le pays était en train d'aller en fumée. Nous répondrons de tout ça. Notre responsabilité comme citoyens, comme peuple, c'est de s'élever. C'est de nous dresser comme un seul homme pour barrer la route à cette forfaiture, à cette escroquerie grandeur nature, cette incompétence, cette frappe systématique qu'on opère au sommet de notre pays. Faire autrement, mes chers frères, c'est de ne pas aimer ce pays. La loba, hein? Non, ça me rappelle un ami qui m'appelle. Au loba, hein? Non, au bon, la loba, t'es la zade. Botano, ma veste à Judith, à mon beau son barreau. Ma veste à bien boué, beau sang, non, plaisir. Beau sang, plaisir. La régie va vous montrer des vestes. Cette collection est vraiment disponible dans la boutique. Judith Londolé Betoko Betoko Lilo Betokos Olatisiki Toko Bilamba ki Toko Yemo ki Toko. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. L'adresse est la boutique La Londoloise chez mon ami Judith Londolé Betoko Betoko Lilo. Commandez vos vestes au numéro que vous voyez à la fin de la publicité là. Je peux très vite vous les redonner. +33 62 60 70 772. +33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de Judith Londolé Betoko. Bobengaye ça abisso bien. Allez, il est quelle heure? J'ai déjà fait 1h30. J'ai encore deux sujets à développer. Non, je ne vais pas abuser de votre temps quand même. Oui, gros, ça, on attaque 15 minutes. Non, on ne va pas faire une émission de 2 heures. Non, c'est gâteau, on a vu, bon, on a pas. Oh, kokatate, kokatate. La télévision, c'est les temps, les frères. Mes frères. Il ne faut pas abuser quand même de votre temps et de votre patience.
Bon, le plaisir a été pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous pour un autre numéro à la prochaine fois. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Kimianza Mezana Mabotanabino. N'oublions pas, battons-nous, sauvons notre pays qui est en danger. Allez, à la prochaine. Bonsoir chez vous. Je recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.